Salut à tous dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Je pense que chacun de vous va bien ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Merci d'être venu à l'église ce matin. Nous allons passer directement à la lecture de la parole. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 19. Je dis 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 19. Vous y êtes? La Bible dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le servirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
And the Lord said unto Satan, Behold, all that's hard in thy power, only the bone himself were not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Dieu tout puissant, notre Père Céleste. Almighty God, our Heavenly Father, nous sommes ravis ce matin. We are pleased this morning. De nous retrouver dans la communion des frères et des sœurs. To find ourselves into the fellowship of brothers and sisters. Voyons de notre cœur que le Saint-Esprit est ici. Believing from all our heart that the Holy Spirit is here. Parce qu'il est écrit dans la Bible, deux ou trois qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Because it is written in the Bible, two or three gathered in my name, I am in the midst of them. Et dans les voyants, nous avons la conviction que tu es ici. Being believer, we have the conviction that you are here. Et Seigneur, tu sais que tu nous as donné beaucoup de promesses. Lord, you know you gave us many promises. Et ces promesses nous sont tellement importantes sur la terre. Those promises are so important on the earth. Viens maintenant accomplir dans chacun de tes enfants ce que tu as promis. Come forth to fulfill in each of the children what you promised for. Nous sommes dans l'expectative en ces derniers jours. We are in expectative in those last days. Où l'Église est en train de se préparer à quitter la terre. Where the church is preparing to leave the earth. Toi, Jésus-Christ, la grande colonne de feu, l'ange de l'Alliance, l'ange de l'Éternel. You, Jesus Christ, the great pillar of our Father, the honor of the Lord and the angel of the Lord. Protège-nous, Seigneur. Protect us, Lord. Et ouvre les oreilles spirituelles de chacun de nous. And open the spiritual ears of each of us. Donne l'interprétation parfaite de la parole. Give the perfect interpretation of the word. Et délivre les captifs, sauve les perdus, Seigneur. And deliver the captives, save the lost. Et guéris tous ceux qui sont malades. And heal those who are sick. Nous voulons prier pour toutes nos églises et sœurs. We want to pray for all sisters. Partout ils sont, Seigneur Dieu. Everywhere they have Lord. Accordez-les la visitation ce soir matin. Then the visitation this morning. And be the support of all the children. And all the interpreters of my and all into the room is one. May the Holy Spirit talk to us. And the Holy Spirit direct us if you have to speak. May God may express in the name of Jesus. Son Église, Seigneur, que ta grâce soit avec eux. Tu bénis aussi tous les ministres ici présents, tous les frères, toutes les sœurs qui prient pour moi. Que ta grâce soit sur eux. Et n'oublie pas ma chère famille, que je dédie entre tes bonnes mains, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur si vous voulez. Merci beaucoup. Thank you very much. Vous avez pu remarquer mon absence ici à l'église durant au moins 10 jours, si je ne me trompe pas. J'étais à Otogwe pour aller visiter nos églises sœurs dont je suis le fondateur. Et je dis que c'est l'œuvre de quelqu'un. Et je crois qu'on doit avoir à cœur d'aller visiter les endroits où vous êtes passé. Et pour ceux qui connaissent Otogwe, je suis descendu à l'aéroport de Vengue. Et de là-bas, je me suis dirigé directement vers Franceville pour aller voir le travail qui est en train de s'effectuer là-bas. Et nous avons vu combien les frères ont travaillé pour l'œuvre du Seigneur. Et de là-bas, j'ai pris mes bagages pour revenir à Mwanda où j'étais logé. Et j'étais accompagné de mon épouse. And I was alone with my wife. Et de là-bas, nous étions logés à Mwanda. From there we made houses in Mwanda. Où Dieu a touché un frère, la famille d'Enji, Fernand, a brother from family of Enji Fernand, qui a construit une très belle maison de deux chambres. Who built up a very house of two rooms. Et il me l'a confié pour lieu d'habitation chaque fois que je suis à Otogwe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce frère? Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant puisse le bénir. Et c'est exactement le travail qu'a fait la femme tsunamite. Lorsqu'elle a eu la révélation du ministère que Dieu a donné à Élie, à Élisée, alors qu'Élisée passait tout le temps là à Tsunam, alors elle a eu à cœur de construire une maison pour Élisée. Et c'était une maison en étage. Ce qu'on appelait autrefois la chambre haute. Et la Bible nous montre que Dieu a donné la réponse à la requête de la femme ou du couple.
That God gave the answer for the couple. Et la Bible appelle cette femme une femme de distinction. The Bible called that woman a distinguished woman. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 4, je crois. You can read it in chapter 4. Et il prenait soin d'Élisée. Et Dieu l'a donné un enfant alors qu'ils étaient stériles. And God gave her a child, those who were et après l'enfant est mort. After the child died. Et Dieu a ressuscité l'enfant à cause de son attachement, de l'attachement de sa mère au ministère du prophète. And God resurrected the child because of the attachment of the woman unto the ministry of the prophet. Est-ce que l'Église peut dire amen à cela? And the church is, que le Seigneur bénisse vraiment la famille de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. May the Lord be blessed and thank you, family, for everything he's doing. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et aujourd'hui, peut-être, il ne voudrait pas que je parle ainsi. Tous les appareils que vous voyez là, tout ça, c'est cette famille, ce frère qui a acheté ça pour nous. Et ça a coûté vraiment beaucoup d'argent. Et il m'a dit, pasteur, je veux seulement que tu pries pour moi. Parce que j'ai la révélation. Mon travail, c'est de soutenir ton ministère. Et il fait beaucoup pour moi. Que le Seigneur le bénisse encore davantage. Et chaque fois que vous priez, n'oubliez pas de vous en souvenir de ce frère. Pas seulement de lui, mais de tous les frères qui soutiennent ce ministère par leur dîme, par leur don. Not about him, but all the brothers supporting this ministry through the time and gifts. Pour que le Seigneur les bénisse beaucoup. For the Lord be blessed them alone. Alors, j'ai commencé les prédications à Monda. Then I started the ceremony in Monda. Là-bas, j'ai prêché le premier jour sur la récompense divine. Down there I preached the first time unto the divine reward. Et je pourrais quand même répéter ça ici. And I may record that here. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui nous suivent dans le monde entier. Because many brothers follow in the entire world. Et lorsque je vais à l'intérieur et qu'il n'y a pas l'interprétation en anglais. And when I want to go inside, there's no English. Ils ont les difficultés de pouvoir nous suivre. They got a hard time to follow us. Et le frère Ndenji, le frère Namadi, and the brother from Ndenji, qui a vraiment maintenant beaucoup de frères en Inde, beaucoup de gens en Inde qui nous suivent. Il y a maintenant toute une église, tout un groupe de gens en Inde qui nous suivent. Et ce frère fait ce travail de tout son cœur. Vous voyez, bientôt, là devant nous, nous avons 2 appareils. Et l'autre qui travaille directement pour capturer les prédications et les mettre sur YouTube. Et l'autre appareil, c'est le Facebook directement. On nous suit en ligne dans le monde entier. Et même pendant que je prêche ici, nous sommes suivis dans le monde entier. Nous sommes suivis aux États-Unis. Nous sommes suivis en Russie. Nous sommes suivis en France. Nous sommes suivis en Afrique du Sud. Nous sommes suivis en Inde, been watching India, nous sommes suivis partout dans le monde entier, Kinshasa, RDC, Congo Brazzaville, everywhere in the entire world. Et même localement nous sommes suivis. And even locally we've been et tout ça c'est le frère qui fait ça dans ses propres frais. All of that the brother is doing on his own means. Il m'a dit par mois c'est 90 000 francs de crédit. He said by month is around. Et il a fait ça aujourd'hui pendant 3 ans. And he did during 3 years. Sans que la personne quelqu'un le soutienne. Without someone supporting. Et là il a ajouté encore le Facebook pour suivre en direct. And Larry had it also forced même nos frères qui sont là-bas, le frère Boris, even the brother Maurice, il nous suit aussi directement. Il est en ligne. He also follow his online. Il est en ligne. He's que online. Le Seigneur le bénisse. May the Lord bless him. Le frère Hugues depuis la Russie, il est en ligne. Brother Hugues from Russia. Que le Seigneur le bénisse. May the Lord bless him. Il y a des familles aux États-Unis, je crois, ils sont aussi en ligne. Our family from que Dieu le bénisse. May God bless them. Au Sénégal, vous êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Over there in Sénégal, en Chine, il y a des frères qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. In China, brother, may God et je voulais saluer cette grande famille de l'Inde. All great, that great family of India. Que je n'ai jamais vu, mais vous avez préféré suivre mes prédications. I never seen, but you prefer. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. And a mighty God bless. Beaucoup sont guéris d'une manière miraculeuse par la prédication. Many God bless miraculously. Et l'onction les visite. And they are not et je crois que le Dieu tout-puissant n'a pas de limite. I believe the mighty God has no même ce soir, ce matin, even si vous le suivez là-bas, if you follow us, croyez que le Saint-Esprit ici, believe the Holy Spirit il peut toucher ton problème. He can touch il peut donner la solution à ton problème. He can give the solution to et your je pense que c'est ce que Frère Branham souhaitait en son époque. I think that was but the mais pour lui, à son époque, c'était par téléphone, en ligne téléphonique. His day was through the phone. Maintenant, les gens peuvent voir notre église depuis la Chine, depuis la Russie, depuis les États-Unis et depuis partout dans le monde.
Now people can watch our church in all Ontario. Alors n'oubliez pas de bénir ce frère qui soutient cette œuvre. Then do not forget to bless the brother. Et j'ai pensé, frère. And I thought, si Dieu met dans ton cœur, if God put into your heart, une urgence pour soutenir aussi cette œuvre, a urge to support that work, l'achat de crédit, l'achat n'est-ce pas de méga, buying credit, you know, peu importe là où vous êtes, no matter where you are, vous pouvez contacter le frère Neji, you can contact the brother Neji, et vous nous envoyez votre argent, ça nous serait utile. And send us the money, it can help us. Frère Branham recevait l'argent qui venait dans le monde entier. For the Branham received the money coming from the entire world. Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. For the progress of the work of the Lord. Et tout ce que vous pouvez donner comme d'autres frères le font. Everything that you can give as other brothers doing. Comme d'autres frères le font. As other brothers doing. Tout rentre dans le compte de l'avancement du royaume. To go into the case of the progress. Je remercie tous ces frères qui me soutiennent depuis l'étranger par leur dîme. And I thank all the brothers who support me abroad. Je voudrais vous remercier que Dieu puisse vous bénir davantage. I'd like to thank you, may God bless you more. Vraiment, soyez bénis dans vos activités. Truly be blessed into all of you. Soyez élevés dans vos entreprises. Please raise up into your parce que vous avez vu Dieu en moi, que le Seigneur vous bénisse. Because you saw God in me, may et the Lord bless you. Et que vous rendez au centime de tout ce que vous dépensez pour l'avancement de mon ministère. May pay you a centime for what you get from your ministry. Donc à mon âge, je prêchais le premier jour sur la récompense divine. Unto one I preached the first day unto the divine reward. Et je montrais là-bas comment Dieu visita Abraham. And I show over the heart God visited Abraham. Et Abraham a reçu la réponse à la question qui était en suspens depuis toutes les années. And Abraham received the answer was suspended from. Je voulais montrer par là la plus grande requête de sa vie. Want to show the greatest request of his life. A trouvé la solution quand Dieu l'a visité. Found the solution when God visited him. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? Et le deuxième jour, je parlais sur la récompense du prophète. And the second day, I talked about the reward of the prophet. Pour montrer combien cette femme tsunamite. To show how that tsunami do. A reçu le prophète et avait foi dans le prophète. Received the prophet and had faith into the prophet. Et le prophète Branham dit que Dieu lui a donné la plus grande requête de sa, la réponse à la plus grande requête de sa vie. And the prophet Branham said God gave her the answer unto the greatest request of her life. Et le prophète dit celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète. And the prophet said one receive a prophet as a prophet. Il aura la récompense du prophète. Will have the reward of the prophet. Et après je suis parti à Franceville parce que je prêchais tous les jours. After I went to Franceville I would preach. Mardi, je prêchais à Monda. Tuesday, I preach in Monda. Mercredi, je prêche à Franceville. Wednesday, I preach in Franceville. Jeudi, à Monda. Thursday, Monda. Vendredi, à Franceville. Friday, in Franceville. Dimanche matin, à Franceville. Sunday morning, Franceville. Et dimanche soir, à Monda. And Sunday evening, in Monda. Depuis tout le temps que j'étais là-bas. That was all the time I stayed. Et à Franceville, je suis parti. And in Franceville, I went. Je me suis inspiré de quelque chose que j'ai trouvé dans la brochure, l'union invisible de l'épouse. I got inspired something I found in the scene, union of the bride. Et là-bas, Frère Branham prêche ou bien parle de l'enlèvement surnaturel de l'épouse de Christ. Over there, Brother Brown is talking about the supernatural rapture of the bride of Christ. Et je prêchais là-bas sur l'enlèvement surnaturel de l'épouse de Christ. And I preached upon the supernatural rapture of the bride of Christ. Et le second jour, and the second day, je parlais sur le grand mystère du jour et de l'heure de la venue du Seigneur. I talk about the great mystery of the day and the hour of the coming of the Lord Jesus. Et par la grâce de Dieu, je peux répéter ça ici. And by the mercy of God, I can restate that. Peut-être aux frères qui sont dans le monde qui sont en train de réclamer d'écouter ça directement en anglais. So all the brothers listen to the air. Et le dernier jour, nous avions ordonné deux ministres de l'Évangile. And the last day, we ordained two ministers of the gospel. Ce sont les ministres du plein Évangile. They are the ministers of the full gospel. Nous avons ordonné le pasteur Chanel de Koulamoutou, désormais pasteur de l'église du Père Évangile de Koulamoutou. Ordonné le pasteur Chanel from Koulamoutou. Et j'ai ordonné le pasteur Johnny de Léconi. Also the pastor Johnny from Léconi. Désormais pasteur full de l'église de Léconi. For now, full pastor of Léconi Church. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Can someone say amen? Et il restait l'ordination du frère Bertrand. And it's still Brother Bertrand ordination. Alors il a jugé bon que ça se passe ici. Then the judge was quelques jours, le frère Bertrand sera ici pour être ordonné au ministère de l'Évangile. And little few of the brothers gonna be around, gonna be around. Et nous avons aussi. And we have also. Nous avons aussi le frère Christ Bruno qui sera ordonné bientôt. We have also the brother Christ Bruno who's gonna be around soon. Il s'occupe maintenant de l'église de Boué. Because he's taking care of Boué Church now. Et le frère Bertrand, je vais laisser à Monda. And brother Bertrand gonna stay in Monda. Et j'avais demandé au frère
And I asked unto the brother DJ Fernand de lui accorder un bon travail. To grant him a good job. Et le frère DJ Fernand m'a écouté en tant que son conseiller personnel. And the brother listened to me as his personal advisor. Et il a pris le frère Bertrand qui travaille et il prêche l'évangile. And he hired the brother Bertrand who's walking and preaching the gospel. Je l'avais demandé. And I all asked. J'ai demandé au frère DJ Fernand. I asked unto the brother DJ Fernand. En tant que son conseiller personnel. As his personal advisor. Parce que je suis aussi travailleur dans RMP. Because I'm a worker into the RMP. Je suis aussi travailleur à RMP Comilog. I also work into RMP Comilog. Alors j'ai demandé au frère. I asked unto the brother. En tant que son conseiller personnel. As his personal advisor. D'accorder le poste d'un chef de poste au frère Bertrand. To bring to brother Bertrand a post of supervisor. A été agréé, il est chef à RMP Comilog. And he's been approved, he is a supervisor. Give it up for the Lord. Et je lui ai demandé aussi. And I asked him also. Le jour de mercredi et de vendredi, qui ne part pas au travail. The day on Wednesday and Thursday, not go to job. Parce qu'il va prêcher l'évangile. Because he has to preach the gospel. Et que ce jour-là ne soit pas coupé, que son salaire passe normalement. And those days will be kept to his payday. Pastor, and the brother said, Pastor, conseiller personnel, you are my personal advisor. J'ai appelé le DRH, and I j'ai appelé le DRH, as an RH, le frère Blaine, brother Blaine. Je dis, c'est l'ordre du pasteur. I say it's the order of the pastor. Là, je parle comme conseiller dans RMP. Now I'm talking as a personal advisor into the là, company. Le pasteur, nous ferons ce que tu as demandé. I say, Pastor, we'll do as you request. Bénissons le Seigneur pour le frère Bertrand. We bless the Lord for the brother Bertrand. Un homme rempli de l'esprit. And full with the spirit. Un homme fidèle au ministère. A man faithful to the ministry. Un homme humble du cœur. A humble man from the heart. Dieu bénisse le frère Bertrand. May God bless the brother Bertrand. Il sera bientôt ordonné. It's gonna be sooner than the year. Mon associé, je lui donnerai la main d'association. It's gonna be my associate that gave me the hand of association. I'm gonna listen to him. Et le frère Bradham dit, and I'm gonna say, il fallait un homme, a need a man, un homme appelé de Dieu, a man called for God, pour appeler les autres, to call others. Vous savez, you know, c'est pas facile. It's not easy de commencer une œuvre, to start a work. Je crois que les anciens ici, I believe the elders, old timers, vous le direz, will tell you. Je vois la sœur Sylvie là-bas. I saw the sister Sylvie around. Que Dieu la bénisse. May God bless her. Le pasteur Charles, Pastor Charles, l'un de mes brebis, one of my first sheep, qui m'a donné la main d'association. Gave me the hand of association. Le pasteur, c'est ce que j'attendais. He said, Pastor, that's what I was expecting. Et Dieu l'a béni aujourd'hui. And God bless him today. Il est rempli du Saint-Esprit. He's filled with the Holy Spirit. Il a vraiment une bonne épouse. He surely has a nice spouse. Il a un bon ministère. He has a good ministry. Le Seigneur l'assiste d'une manière surnaturelle. Lord, assist in a supernatural way. Et je me rappelle, and I remember, lorsque je prêchais sur le Saint-Esprit à Monda, à Franceville, was preaching about the Holy Spirit in Franceville. La première ligne de prière qui a choqué les gens. The very first prayer line who shocked people. Je n'oublierai jamais, c'est la semaine le 28 février. I will never forget it was the 28th je crois de l'année 2000. I think the year 2000. Et pendant que je prêchais, while I was preaching, je voulais prêcher sur la dédicace. I want to preach upon the dedication. L'onction était tellement forte. The anointing is so strong. J'ai appelé le pasteur Charles. I call on the pastor Charles. Dès que je suis monté à la chair, I soon I went to the l'onction est descendue sur moi. I don't to come upon je vais parler, l'onction descend. I want to talk to the anointing. Toutes mes mains paralysées. All my hands je paralyzed. Ne pouvais pas bouger la main. I could not even move. L'onction que je n'ai jamais reçue auparavant et que je n'oublierai jamais. And I don't to never receive before, will never forget. Et je dis, comment je vais prêcher aujourd'hui? And I say, how I'm gonna preach today? Alors j'ai appelé le pasteur Charles. And I call the pastor Charles. Je dis, Seigneur, I said, Lord, je vais prêcher maintenant. I'm gonna preach. Je veux que cette onction qui est sur moi. I want the anointing upon me. Entre dans le pasteur Charles. Pass on to the pasteur. Wow, c'est descendu. And he came down. Ah, là, je vis vraiment comment quelqu'un est sous l'onction. There I saw someone being under the anointing. Et depuis ce jour-là, l'onction-là ne le quitte pas. And since that day, that's anointing. C'est la vérité, pasteur Charles. Is this the true pasteur Charles? Et le pasteur Charles lève la main pour dire que c'est vrai. The pastor is raising the hand to say it's true. L'onction est descendue dans la salle. Yeah, anointing came down in the room. Les sœurs James sont là, mes premiers brebis. The sister I run, my first sheep. La sœur Sylvie est là, mes premiers brebis. C'est sur celle de la première chaise. Maman Germaine est où c'est? It's one of the Germany round. Maman, oui, je vois les sœurs chez elle. Je me
gouvernement germain là-bas. I saw all the bars. C'est une femme pasteur de l'église du Pentecôte du Congo. It's a woman pastor from the church Pentecostal. Mais je l'ai convertie, je l'ai enlevée de l'église là-bas, l'évangile. I converted her and bring her. Oh, j'ai vu à Pasteur Charles hier. I saw Pastor Charles yesterday. Je vais donner encore la dot de Germain. You will give me again the lady prize. Le jour où ça va me piquer, je descendrai chez toi là-bas à Mouila et il faut me donner la dot. The day you're gonna took me, will come to that. Si vous me la donnez pas, je prends ma fille et je la ramène ici. If you don't give me, I take the daughter. Hallelujah. Amen. Donc Dieu a été très merveilleux envers nous. God's been very handsome toward me. Et cette onction, je n'oublierai jamais ça. I will not forget about that anointing. L'onction que j'ai expérimentée, comment Dieu dans une personne peut réparer une voiture par la prière. The anointing I saw, God can fix a car to the prayer. J'ai fait une consécration de 15 jours. I made a dedication for 15 days. Où je ne sortais pas dehors. Well, I didn't get outside. Oh, frère Charles, je crois qu'on n'oublie jamais ces moments-là. Brother Charles, we can never forget those moments. Frère Martin, les gens passaient la nuit à l'église. Brother Martin, people spend the night. Voilà le frère Jean Bernard, l'un de mes brebis, le premier brebis de l'église. Here the brother John. Maman Scola est là. His mother Scola est là. Maman Scola n'est pas là. Ça c'est le premier évangile au commencement. That's the first gospel in the beginning. Et grâce à ces gens-là, vous êtes ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Thanks to those people who are watching. That only was a problem. Au sorti de la consécration de 15 jours. Coming out from the dedication of 15 jours. Je fais 15 jours sans saluer quelqu'un. I spent 15 days without greeting. Je fais 15 jours sans sortir dehors. I did 15 days without getting out. J'étais enfermé dans la maison. I was locked in the house. Priant Dieu. Praying God. Oh Dieu est là. Oh God there. Et depuis ce temps, la notion là ne me quitte pas. Since that day, the anointing never leaves. Je peux descendre et frère agir comme il le fait. He can come and work the way he wants. Pasteur Charles, je crois que tu n'oublies jamais que c'était ma première fois de prophétiser. Pastor Charles, not forget it was my prophet's time. Pendant que l'onction était sur moi. While the anointing was upon me. Je commençais à prophétiser. I start prophesying. Je commençais à donner le message. I start giving the message. Et le jour suivant. And the next day. C'est donc ce tout monsieur Pasteur Charles. As anointing fall upon the pastor. Un pasteur est venu nous visiter à l'église. Pastor come to visit us. Il m'a critiqué, ça fait une semaine. And he criticized me 1 week ago. Il a parlé mal de moi. He talked of me again. Et ce jour-là, il est venu tenter pour voir réellement si ce qu'il entend est vrai. And that day he came to door to see who was true. Ah, laissez-moi vous serrer la main, Pasteur Charles. Let me greet you the hand, Pasteur Charles. Je te bénisse. Oh, bless you. Ne peux pas oublier le faible commencement. We cannot begin the week beginning. Hallelujah. Amen. Pendant qu'il a mis le pain de pied à l'église du pasteur. Why is tap on the pastor? L'onction tombe sur le pasteur Charles. I don't even fall upon the pastor Charles. Toi. You there. Seigneur, qu'est-ce qui va arriver là? Lord, what's going to happen? Paf, you don't know. And I gave his name. Voilà ce que tu as fait, ça fait une semaine. Hear what you have done a week ago. Tu as dit ceci à mon serviteur. You said this about me. Et tu es venu aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui se passe pour aller critiquer. And you are going today to see what's happening. Regardez comment le pasteur lui met sa tremble. Look how the pastor was trembling. Le sang jetait dans l'église. The prayer was in the church. Et tu agissais en puissance. And was a powerful. Est-ce que je peux entendre un vibrant dans l'église? And I listen to a vibrant amen. C'est ça le Dieu tout puissant. This is the mighty God. Et le pasteur a tremblé. And the pastor trembled. Comment Dieu peut agir? How can God can act? Je crois que ce moment-là, nous allons percer ça ici. I believe those times we're going to have it around. Je vais la faire s'il avec un don parfait de prophétie. I saw the sister s'il lui parfait. Ce n'est pas parti, Serge. He haven't left. Ce n'est pas parti. He haven't left. L'onction est encore là. The anointing is still there. Sœur Diane. Sister Diana. La sœur. Comment on appelle la sœur? J'ai oublié la sœur. Claire, Olga Claire. Sister Olga Claire. Est-ce qu'elle est là, la sœur Olga Claire? Is she around? Je crois qu'elle n'est pas encore là. I believe she's not there. Voilà comment Dieu opérait et utilisait ses sœurs. Hear how God worked through those sisters. C'était puissant. It was powerful. Femme du pasteur Yves. The woman of the pastor Yves. Vraiment, on avait une maison de dons puissante. Truly, we have a powerful house of God. Et quand j'ai vu le Saint-Esprit parler sur la sœur Sylvie pour la première fois, when I saw the Holy Ghost talking for the very first time, vraiment, j'avais peur. Truly, I was scared. Une sœur de l'église. A sister of the church. Elle est allée forniquer le lundi. Went to fornicate the Monday. Et le mercredi, elle vient à l'église. And once that she come to the dès church, qu'elle est rentrée, elle veut s'asseoir. As soon as she entered, she want to sit. Le Saint-Esprit descend. The Holy Spirit came down. Toi, parle le nom. You, such a name. Tu veux tenter Dieu? You want to tempt God. Et tu rentres ici sans te repentir? And you enter here without repentance. Qu'est-ce que tu as fait le lundi? What have you done on Monday? Je te vois sous un arbre. I see on the tree. Avec un homme. With a man. Et vous êtes en train de parler. And you talk. Et après tu es allé coucher avec lui. And after you want sex with her. This is the pastor. And you will pick her up. Je veux ça dans l'église. I want that into the church.
puissance de Dieu, at the power of God, puisse descendre dans l'église et come down into the church, et dévoiler les secrets de cœur. And reveal the secret of God. Je veux votre main. I want to reach your hand. Il avait tombé. This is still fall. Il est fini, pasteur, c'est la vérité. And she came, pastor, it's the truth. Que Dieu me pardonne. May God forgive me. Oh Jésus. Oh Jesus. La femme du pasteur JB. The wife of the pastor JB. Une sœur est en train de se comploter. Elle habite au moins 5 km de Franceville. A sister was plotting. She dwelt in Franceville. Elle s'est complotée, dit je vais faire tomber le pasteur Monsieur. She plotted. She said I'm gonna have the pastor. Je le ferai tomber. I will have him fall. Elle a pris ses pensées là. Elle a murmuré pensées. Elle a parlé dans sa chambre avant de venir à l'église. She murmured the thought into her room before coming. Bien qu'elle ait depuis à l'église. As soon as she step into le Saint-Esprit descend sur la femme du frère. Holy Spirit came down to the wife of the pastor. Écoutez, écoutez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Toi, you. Non. What's your name? Qu'est-ce que tu as parlé dans ta chambre? What have you spoken into your room? Faire tomber mon serviteur. Make fall my servant. Ça n'arrivera pas. It won't happen. Et quand la prophétie est donnée. And when the prophecy was given, the sister said, "What's wrong?" I said, "The hand of the meeting, sister, and deacon come along." Sister, my Bible is wrong. The Holy Ghost is not. If what the Spirit said is wrong, if what the Spirit said is wrong, if you lie, God is going to strike you. And she fell kneeling. Pardonnez-moi. Forgive me. C'est exactement ce que j'ai pensé. It's exactly what I thought. Je me suis dit, il faut que tombe comme ça, l'église va tomber. I say you have to fall so. Hello. Je vais entendre votre main. I want to listen to amen. Nous sommes là. We are pour la cause de Jésus Christ. For the right cause. Et Dieu nous soutiendra par sa main. And God will support my Israel. Elle s'est repentie, nous avons prié sur elle. And she repent, we pray for her. À l'époque, Dieu ne cachait rien. To the day, God hide nothing. Oh, je veux que ça s'opère ici. I want it to be here. Tu ne peux pas faire quelque chose à l'extérieur. You can do something at the exterior. Et venir librement à l'église. And come freely into the church. Tu seras dévoilé. You're gonna be in vain. C'est ça l'église ancienne. This is the ancient church. Et Dieu n'a jamais changé. And God never changed. Amen. Amen. Donc après nous avons emballé nos choses après la consécration. After we pick up our stuff after dedication. Nous avons décidé de revenir ici pour vous. We decided to come back here for you. Et pour les frères de Port-Gentil le plus vite possible. And for the brothers of Port-Gentil as soon as possible. Nous avons eu une triste nouvelle. And we have had a sad news. C'est la nouvelle de la destruction. Ou bien de la destruction de la mort de deux enfants dans la famille de notre ancien pasteur de Mandal, le pasteur Evry. It's the news about the death of two children of Pastor Evry family. L'épouse du pasteur est partie au travail. The bride of the pastor est partie aller vendre ses choses. She went to sell her stuff. Et les trois enfants sont restés à la maison. And three children stayed home. Et parmi les trois enfants, il y avait deux qui étaient au salon. Non, les trois étaient au salon. And the three was in the living room. Le matin, vraiment vers 7h30, 8h à peu près. The morning around 7:30 a.m. Il y a eu un coup-circuit à la maison. They had a power shot in house. Et la maison a pris feu. And the house took fire. Et les deux enfants, ils ont trouvé qu'il était nécessaire d'aller fuir dans la chambre. And two of the children found it was necessary to go hide into the ils room. Ils sont allés dans la chambre parce qu'il y avait le feu, il y avait la fumée. They went into the room because they had the fire and smoke. Et dit-on qu'ils étaient sous les lits. And they said they were under the bed. Alors quand la maison a pris feu, when the house took fire, la fumée était vraiment immense. The smoke was so huge. Et la fumée est allée dans les chambres. And the smoke went into the room. Et ça a étouffé les deux enfants qui étaient là-bas. And it shook all the two children. Et si les enfants sont morts sur place. And the children died. Maintenant le petit encore qui était encore plus petit. Now the little one. C'est elle qui sortait dehors. She's the one who went outside. Il a remarqué que ses frères ne venaient pas. As you know, this brother didn't follow. Alors elle a commencé à appeler les gens. Il y a des frères, des gens à la maison. Les she gens. She started calling the people around to help. Ils sont venus pour enlever les enfants. And they came to you know to take the child. C'était trop tard. Les enfants sont morts. Too late, they were dead already. Et j'ai fait de tout mon mieux. And I did
did all my best. J'ai pris des engagements. I took all the commitments. Des engagements courageux. Saying that I'm really encouraged. Dire que j'étais en voyage mais je n'avais pas d'argent. Well, I was on journey, I had no money. Et je fais tout ce que je pouvais faire. And I did all I was possibly. Acheter des tôles, j'ai fait tout pour acheter les tôles. To buy all the tiles. Acheter des planches pour rétablir la maison de la maman José all the wood et de notre frère Pasteur Révé. To rebuild the house of our pastor. Donc avant de quitter là-bas, ils ont fini déjà de rétoler la maison. So before leaving the house, il me reste encore la charge de pouvoir chercher un peu d'argent pour aider le frère pour qu'on puisse mettre le cadre de la maison, les portes, les fenêtres, ainsi. Et c'est un peu d'équiper la maison même avec une tablette, quatre chaises pour permettre à maman José de pouvoir trouver un endroit pour manger. We still need the money to finish up all the job and to lower. Elle a perdu toutes les assiettes, tous les assiettes. Lost all elle the plates. Elle a perdu le living, elle a perdu les tables, elle a perdu le salon. She lost all the living stuff. Et vraiment tout est parti. And everything's gone. Et je crois que j'ai laissé les frères, ils sont en activité. And I believe the brothers are on it. Je serai vraiment heureux que cette maison soit reconstruite. I'll be happy to help the house has been rebuilt. Et si parmi vous il y a des donateurs généreux, and if among us are generous giver, qui peuvent aider même avec deux assiettes, avec deux fourchettes ou quoi, can come even with two plates of forks or ou un petit don pour acheter une fille à une fenêtre, ça ferait du bien. Or either give to not to buy at least a window. Parce que la charge est trop lourde pour moi et je ne sais pas comment prendre soin de toutes ces choses si je n'ai pas un soutien de votre part. Because the Lord is too much for me if I don't have the support for you. Voilà un peu et puis nous sommes revenus. Here to summary and we came pour back. Pour le mariage de frère Jeff et de la sœur Liz. For the wedding of brother Jeff and the sister Liz. Voilà un peu. Nous avions passé de très beaux moments là-bas au Togo. So we have such outstanding moments. Et pendant la prédication, Dieu a opéré un miracle extraordinaire. And during the sermon, God performed extraordinary miracle. Pour une femme qui a fait 6 mois sans dormir. Where a woman who spent 6 months without sleeping. 6 mois sans se relever. 6 months without standing. Elle avait un problème de colonne vertébrale. She had a problem with the backbone. Elle a fait 6 mois sans de sel. She spent 6 months without eating. Elle avait vraiment des problèmes très sérieux. She truly had serious troubles. Et après la récompense du prophète, j'ai imposé les mains sur cette dame. Je suis descendu dans la foule pour imposer les mains sur elle. After the sermon, the word of prophet, I went down to lay hands upon her. Vraiment est en train de se tordre. Elle a fait très mal. Elle ne pouvait pas. Quand elle est là, vous voyez que le corps est en train de partir parce qu'elle ne peut pas se relever comme ça. Là, vraiment, elle est en train de tomber. She couldn't stand, you know, straight, you know, about to fall. Je suis descendu. Je lui ai posé les mains dans le tout puissant nom de notre Seigneur Jésus Christ. I came down, lay hands in the mighty name of the Lord. Et elle est partie à la maison étant soulevée. Et quand elle arrive à la maison, le dos s'est redressé. She went home by lifting up. And when she got home, elle est allée faire ses besoins. And she went to eat. Elle a commencé à manger. Elle a été complètement guérie. Started eating, being put up. Elle a dit, je n'ai jamais vu une église comme ça. She said, I never seen such a church. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je vais prier ici. And for now, I'm going to pray. Elle veut qu'on l'amène à l'église même le jour qui n'est pas le jour de la réunion. And she wants to take her to the church even. Notre Dieu est merveilleux. Acclamez très fort. Our God is the best. Give it up for the Lord. Et le deuxième témoignage. The second testimony. C'est le témoignage d'une femme que j'avais prié pour sa sœur. It's a testimony of a woman I prayed for her sister. Sa sœur avait beaucoup de myomes dans le ventre, on devrait l'opérer. Her sister have a lot of myomes to womb. J'avais demandé au Dieu de pouvoir changer ces myomes à un bébé. And I asked God to change those myomes into a baby. J'ai dit à Dieu, tu l'as fait la première fois, je veux que tu le fasses la deuxième fois. I said to God, you did the first time, I want you to do the second time. Et Dieu m'a exaucé. And God exaucé. Il a changé les myomes qui sont devenus des bébés. He changes the myomes to be children. Et cette femme a accouché un enfant. And that woman began the child. Et l'appelle bébé miracle. And she called it the miracle baby. Acclamez toute la foi le Seigneur Jésus. Give it up for the Lord Jesus. Voilà ce que nous avions, comment nous avons opéré là-bas à Otogwe. Here how we work in Otogwe. La parole était prêchée. The word being preached. Et Dieu a visité son peuple. And God visited his people. Je vous remercie pour vos prières. And I thank you for your prayers. C'est vous qui avez fait ma force. You been my strength. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Et je suis arrivé ici, j'ai vu que les choses commencent à changer un peu en haut là-bas. And I came here, see that things started to change. Et je crois que vous appréciez vraiment la décoration là. I think you appreciate all. Non, levez la main si vous appréciez ça. Raise up your hand if you do appreciate. Et ceux qui n'apprécient pas, levez la main. And those who do not appreciate, raise your hand.
qui apprécient, levez la main. Those who appreciate, ce n'est pas encore fini. Ils vont vraiment bien, bien, bien décorer le ciel. Vous allez voir ça. It's not over yet. It's underdoing. Et dès demain, il y aura un grand portrait de la nuée de gloire ici. From tomorrow, we'll have a painting of the cloud of glory. On va décorer ça dans un ciel nuagé. And we're gonna put in a cloudy. Comme la brochure de Frère Branham. As for the Branham booklet. Et c'est le couleur d'Israël, n'est-ce pas? And that's Israel color. Et nous aimons ça. And we like it. Et peut-être la semaine qui va venir. Maybe the coming week. Toute l'église sera vraiment bien peinturée. All the church will be well. Et vous allez voir, on va donner vraiment l'image qu'il faut. And we're gonna give the image that we want. Et je crois que Dieu vous bénira. And I believe God will bless you. Il y a des t-shirts qui sont là avec des chemises pour les serviteurs ou bien pour les frères qui en veulent. We have t-shirts with scarf for the servant or whoever wants. Et nous avons des tissus bleus qui ne sont pas très beaucoup. And we have blue t-shirts or not. Pour ceux qui veulent s'habiller exactement comme la tenue d'Israël comme ça. Those who are gonna dress exactly like Israel. Donc les polos sont à 5000 et la chemise à 10000 francs. So we have everything done with the price settled 5 and 10,000. Oui, on avait constaté une petite erreur qui n'est pas si grave. We noticed a little mistake. Mais j'en ai parlé avec le celui qui a travaillé. I talked with the supplier. Ça sera rectifié et ça vous aidera. And it's gonna be fixed. Donc n'hésitez pas d'acheter ces chemises, ces t-shirts. Do not hesitate to buy them. Et il y a d'autres choses qu'on va ajouter très bientôt parce que il nous reste seulement un mois. Deux semaines. What the thing gonna be soon, Al? Because you just have one and two. To one pour être sincère avec vous. To be sincere with you guys. Je veux de l'argent. I want some money. Je sais pas comment est-ce qu'on va recevoir nos invités. I don't know how we're gonna welcome our guests. Je vous ferai le rapport prochainement d'ici le 5. I will give you the report from the 5th. De ce que je détiens depuis que. Nous avions commencé ces opérations. What I hold since we started those operations. Et c'est une somme vraiment pas suffisante. And it's an insufficient amount. Donc je compte vous sur les deux semaines et sur le premier semaine de mois de décembre. I'm counting on you upon the 2 weeks coming up. Pour éviter que ça ne soit reporté. To avoid it to be postponed. Et je sais que personne n'accepterait que ça soit reporté. I know no one will be agree that it be postponed. Ils sont d'accord qu'on puisse reporter la dédicace. Who's agree that you may postpone the dedication? Personne qui ne sont pas pour reporter. Who has against to postpone? Qui ne veut pas qu'on puisse reporter la dédicace? Who doesn't want to postpone the dedication? Vraiment levez les mains s'il vous plaît. Truly raise up high your hands. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc nous comptons sur vous. So we counting upon you. Si on peut faire vraiment les derniers efforts ou mettre la 4-4 comme disait le frère Bellon, mouiller le maillot. If you do all the best, put the shift in, or you know, ça va vraiment nous aider, mes amis. It's going to, you know, wear the jersey. It's going to help us. Là, nous avons besoin de donateurs généreux, comme Frère Branham dit dans le 7e saut. There we need the generous giver, as Brother Branham said into the 7th seal. Et nous comptons sur vous. And we counting upon you. Donc d'ici le 15. So from the 15th. Ou disons d'ici le 20. Or let's say from the 20th. Janvier. Of January. On clôture sur l'histoire. Contribution et le reste. We're gonna close up of the matter of, you know, spending money on the. Et on peut continuer jusqu'au 30 pour les bonnes les volontaires. We can keep on until the 30 for the good way. On peut faire les efforts pour que les choses puissent aller mieux. And if you do our best, you know, things to get better. Nous aurons vraiment une très 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 bonne dédicace. We really have a very outstanding dedication. J'ai besoin des invitations pour les gens que j'ai donné la mission. And I need the invitation for the people. Parce qu'on doit déjà les distribuer dans le domaine, dans le milieu national. So you have to start spreading them into the national. Pour ceux qui sont à l'étranger, on va déjà rentrer en contact avec leur boîte email pour les envoyer déjà les invitations. Those abroad, we're gonna send to the email box. Afin qu'ils se préparent déjà d'ici le mois de décembre, de janvier, qu'ils soient déjà là pour la dédicace. So they may get ready to by the month of January. Et j'ai besoin de vos prières pour les démarches que je dois effectuer au niveau du CEDOC. I need your prayer for all the credentials I'm gonna do. Je veux vraiment que le Saint-Esprit m'assiste pour que toute chose se passe bien. I truly want the Holy Spirit to assist me where everything goes well. J'ai besoin vraiment de vos prières. I truly need your prayer. Amen. Amen. Voilà tout ce que je voulais vous donner comme rapport de voyage missionnaire, première partie de notre journée d'aujourd'hui. Here, everything I want to give you a missionary trip report. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Amen. Amen. Je crois qu'on a déjà lu la parole. I believe you haven't read the word. On a déjà lu la parole. Have you read the word? Merci beaucoup. Thank you very much. Alors, avant de voyager.
Then before traveling, j'avais parlé ici à l'église sur un sujet capital. I talked here in the church about the main